Maintenant, voyons voir à l'intérieur. C'est chaud, mais on va prendre une chance. Super nickel. Cheddar blanc, comme ça. Coupe 2. Gruyère. Coupe 2. Parmigiano. Le fromage, comme ça. Feu à fond. Fromage, comme ça. Tournez, retourne. On fait une genre de boule. Plat gratin du congélateur. Le fromage, on soulève. Comme ça. Une fois terminé, au frais. La farine, un peu comme ça. Chapelure dans le grand bol. Un quatrième. Le compte est bon. Ainsi soit-il. Amen. La machine. Alléluia, elle marche. Et on mélange. Et l'épice dissous ira se recueillir au placard. Les œufs, comme ça. On soulève. On décolle les bords. Fromage, papier absorbant, comme ça. On coupe en deux. Et en bâtonnet, pas trop petit. Farine. On secoue. Fromage dans l'œuf. On enrobe bien le fromage de tous les côtés avec les œufs. Le fromage, chapelure. On égalise, tourne et retourne. L'huile à 180 degrés, fromage comme ça. On y va tranquillement pour ne pas faire refroidir l'huile. On attend environ 15 secondes. Ensuite, fromage tourne. Après un total de 30 secondes, ça devrait être prêt. Vérification auditive. Les fromages sont quasiment jaunes, couteau jaune. Super nickel. Très croustillant.